Il a remporté la victoire de la musique de l'artiste masculin ce vendredi 10 février et Stromae, qui a retrouvé son public après plusieurs années de pause avec son album Multitude, a tenu à rendre hommage à plusieurs de ses proches une fois son trophée entre les mains. Mais avant de monter sur scène, le chanteur a partagé un tendre baiser avec sa femme, Coralie, quand Laurie Tillman a révélé qu'il avait gagné le trophée. L'artiste belge a ensuite fait une tendre déclaration à sa douce, avec qui il partage sa vie depuis 9 ans. S'il a commencé par remercier son directeur artistique l'accompagnant depuis 20 ans maintenant, Luc Van Ave, qui se trouve être aussi son frère, il a ensuite ajouté, « Il y a aussi celle qui nous a accompagnés en cours de route. » Il y a maintenant presque 10 ans qu'on se connaît. Sous le regard rempli d'amour de cette dernière, il a donc remercié son autre directrice créative et styliste Coralie Barbier. Et d'ajouter tendrement, mon épouse aussi. La maman de notre petit que j'embrasse. Un amour toujours aussi fort réputé pour être discret sur sa vie privée. Stromae a ajouté sur son garçon de 4 ans, « Je ne crois pas qu'il me regarde », avant d'avoir une pensée pour deux amis qui ont visiblement aidé les jeunes parents en gardant leur bout de chou pour la soirée. « Merci pour le babysitting, vous m'avez sauvé. On a eu une petite galère. » Heureusement, le couple a trouvé une solution pour passer cette soirée ensemble. S'il ne fait que rarement des confidences sur son histoire d'amour ou des déclarations à sa femme en public, l'auteur-compositeur-interprète avait fait une exception pour l'anniversaire de Coralie en juin dernier. Sur Instagram, l'interprète de santé avait posté une photo de cette dernière, avec en légende, « Joyeux anniversaire à mon épouse, celle qui m'a donné ce fils magnifique, qu'il m'apporte tant tous les jours dans le privé comme dans le travail. » Je t'aime Coralie. 9 ans après leur rencontre, l'amour est toujours aussi solide entre eux. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 2.